Salut à vous, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin et de Royal News FM. Bienvenue dans cette émission La Tribune des Jeunes. Sur cette émission, nous parlerons exclusivement sport et bien entendu pour décrypter toute l'actualité sportive ici au Bénin. J'ai déjà mes deux invités sur ce plateau. Nous avons Monsieur Claude Gounou. Salut. Salut Monsieur le journaliste. Hospice Omiyale, vous êtes journaliste sportif. Bonjour. Bonjour. Comment se porte le sport au 229? Ah, le sport 229 se porte à merveille sur les dernières nouvelles. Très bien. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal Bénin de Royal News FM, nous allons décrypter l'actualité sportive, c'est-à-dire nous allons passer au peigne fin des chances des écureuils U20 qui, le Bénin abrite, vous le savez si bien, le Bénin abrite la compétition U-B U20 pour les qualificatifs de la Coupe d'Afrique Junior U20. Mauritanie 2021. Nous allons expliquer un peu à nos internautes et nous allons passer au fin fin les chances de ces écureuils. Monsieur Gounou, en 2005, le Bénin avait organisé une compétition junior des catégories d'âge. Aujourd'hui, nous y sommes une fois, même si cette fois-ci, ça regroupe une zone UFOAB. Quelles sont les chances des écureuils? Bon, selon moi, il y a de cela 15 ans quand on était en Coupe d'Afrique, ce qui nous a envoyé à la Coupe du Monde en ce temps-là, il y avait trop de pagailles, mais je pense que cette fois-ci sera la meilleure. Hospice Omiyale, le Bénin a-t-il quand même des chances de se voir parmi les deux équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique U20 en Mauritanie 2021? Si, nos chances de qualification, elles sont fortes. Vu la préparation de l'équipe, même si nous n'avons pas eu assez d'informations sur cette équipe, nos chances de qualification elles restent en moyenne supérieures, puisque nous sommes dans une poule où tout est jouable déjà avec le Niger en match d'ouverture. Je crois que c'est une sélection abordable pour les nôtres, donc nous avons une forte chance de se qualifier pour, en tout cas, de rêver, d'espérer et pour la Coupe d'Afrique de catégorie d'âge en Mauritanie. Parlant de la préparation, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, les écureuils U20 ont livré 14 matchs, 10 victoires, tenez-vous tranquille, 2 nuls et 2 défaites. Monsieur Gounou, ça vous dit? Oui, ça c'est une très bonne performance. Ça veut dire que le coach Deguenon, Mathias et puis son adjoint René Messin, ils sont en train de faire un bon travail. Surtout avec l'avènement de notre patron qui aime tant le sport malgré que le championnat n'existe plus. Donc on ne peut que remercier les deux encadreurs et ceux qui les soutiennent et surtout le DTN. Merci. Hospice Omiyale, je crois que 10 victoires. Je vais prendre à contre-pied le coach Gounou. Puis 10 victoires contre quelle équipe? Contre qui? Notons que les écureuils vont livrer deux rencontres aller-retour contre Esaé Football Club et Buffle, qui sont les représentants béninois dans les compétitions CAF. Écoutez, gamin, je crois que quand on nous parle d'Esaé, on nous parle de Buffle, nous savons tous ce que ces équipes... il n'y a plus de compétition au Bénin depuis plus de 3 mois, je crois. Et faire jouer une sélection nationale qui a une grande ambition avec un club ou des équipes qui cherchent, bon, excusez-moi ma foi, qui cherche aussi à jouer et les compétitions au niveau continental. Bon, je crois que là, il y a deux poids, deux mesures. Il n'y a pas de parité. Je crois que l'ambition là, il n'y a pas d'ambition. Et quand je ne suis pas d'accord pour cette, quand on me parle de cette préparation, il nous faut une préparation digne du nom. Et prenez par exemple les étalons du Burkina Faso. Les gars sont allés au Maroc se préparer. Mais nous, on est resté chez nous, on a livré des matchs contre Esaé, contre Buff, et c'est ce que vous avez cité, contre Espoir de Savalo qui joue en deuxième division. Mais ma foi. Ensuite, vous savez, les Buffles du Bogou, quand même, ont contraint, je dirais, au nul Mouloudia d'Alger. Ce n'est pas un petit club, quand même. Si vous êtes en train de dénigrer en griffe les Buffles du Bogou, soit disant que ce n'est pas une grande équipe, les Buffles, quand même, ont fait match nul ici avec Mouloudia d'Alger. Cher Gabin, dans quelles conditions?
quelles conditions? Les conditions climatiques d'abord. On prend l'Algérie, c'est à peu près, c'est, les gars sont pratiquement en hiver, en hiver là-bas, puisque ils ont les mêmes climats que l'Europe, et on vient les faire jouer sous haute sur une température vraiment où les gars sont, c'est la chaleur les a bouffés. Vous voulez dire que le climat a favorisé le quand climat, même le climat, les buffles? Le climat et le terrain, l'état de la pelouse. Charles s'il vous plaît, le stade Charles de Gaulle de Porte-Louvain n'est plus quand même petite pelouse. Nous avons Monsieur Gounou. Mon ami de la presse. Non, non, s'il te plaît, j'oublie. C'est Gabriel Katarou. Non, je ne parle pas de Hospice Omid. Hospice Omid. Il ne faut pas tout le temps mettre le Bénin en dernière position. Le Bénin n'est plus le Bénin d'il y a 15 ans. Hein? On a évolué. Si au moins en 2 ans, on a pu organiser un championnat en bonne et due forme, au moins pendant 2 ans, et qu'à cause de cette vilaine maladie, les championnats sont arrêtés, je pense que moi j'étais au terrain le samedi dernier quand on a joué contre le Mouloudia d'Alger. Les AF Football, ils ont bien joué. Et les Buffles. Les Buffles, ils ont très bien joué. Ils ont très bien joué. Parler d'hiver ou quoi. Les autres sont toujours en championnat. C'est parce que nous, on a suivi notre État. Parce que l'État a donné des directives qu'il faut suivre. Sinon, le championnat béninois, le championnat béninois peut continuer son cours. Et d'ailleurs, le championnat béninois, quand même, Monsieur Gounou, oui. Le championnat béninois est en train d'être un pourvoyeur quand même pour les autres championnats désormais. Vous voyez quand même bon nombre de nos joueurs béninois qui ont pris part au championnat il y a quelques années et qui sont en train de s'exiler. Ça veut dire que quand même qu'il y a du potentiel dans ce championnat. Oui, je dis d'ici 10 ans, on aura plein de joueurs dans les grands clubs. D'ici 10 ans, si le championnat continue. Quoi, quand ça ce qui va se passer, le championnat va continuer. Si ce n'est pas eu cette vieille maladie qui est venue et qu'il faut suivre ce qui a été dit à l'international et que tous les pays doivent suivre, moi je vois que mon pays, le Bénin, est en train de faire un grand pas vers les grandes nations du football. Le Bénin serait incomparable d'ici 10 ans, surtout avec l'avènement des centres de formation à gauche, à droite. Nous allons revenir sur ça, Monsieur Gounou. Alors, Hospice Omid Ali, vous étiez tout à l'heure en train de parler. Monsieur Gounou a dit qu'il y a 15 ans, le Bénin a organisé un tournoi de gens. Ben, ce tournoi avait regroupé quand même toute l'Afrique, je dirais, toute l'appel. Et il faut seulement se qualifier pour les demi-finales pour jouer la grande messe. C'était en Hollande. Le Bénin a eu la chance de se qualifier. Le Bénin était 3e. Vous vous rappelez, Monsieur Gounou, le Bénin avait battu ici. D'abord, le Bénin a perdu 3-0 contre le Nigeria. Oui. Et puis le Bénin a battu, laminé, je dirais, la Côte d'Ivoire, 4-1. Et le Bénin a finalement 3-3 contre le Mali. Ouais. Les écureuils ont obtenu leur billet entre-temps pour jouer les demi-finales. Ouais. Et en demi-finale, ils ont été quand même accrochés. Et ils ont fait de leur mieux. C'était contre les Égyptiens. Ouais. Et puis maintenant, en match de classement, les écureuils ont battu les Algériens. Il y avait l'ouverture du score entre temps par Moussine Yadjou et puis un certain Ouzerou Abdoulaye qui a égalisé à la 47e minute. Ouais. 45 minutes plus 2 pour les écureuils. Le Bénin s'est envolé. Le Bénin était 3e en ce moment. Est-ce que le Bénin peut récidiviser quand même cet espoir qui a quand même donné la joie à tout le peuple? Ne veut pas voir celui qui est plus aveugle que les aveugles. On ne peut pas comparer le Bénin qu'il y a d'il y a 15 ans au Bénin d'il y a 4 ans. Rappelez-vous, l'équipe a été entraînée entre-temps par Serge Devez. Oui. Serge Devez qui était l'entraîneur de cette équipe. Ouais. Aujourd'hui, nous avons Mathias Deguero qui a la charge de ces U20. Le Bénin. Et c'est ce que moi je veux, qu'on ait confiance aux nationaux. Mathias Deguero, c'est un Béninois. Il connaît notre alimentation, notre acclimatisation. Donc, c'est tout ça là, c'est compte tenu de ça. Il faut tenir compte de tout ça là.
La climatisation, la climatisation, bien comment on parle le français, oui, là. La climatisation, ce que les joueurs doivent manger, tout ça. Lui, il est un béninois, donc il connaît un peu. Oui, moi, bon. Non, coach, même s'il est béninois, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle, il n'est pas nutritionniste. Mais même s'il n'est pas. Même vrai, s'il n'est pas bien vrai, oui, je il aura toujours son apport. Oui, oui. Il aura tout, parce que, par exemple, moi, j'aimerais qu'on donne le désordre, par exemple, aux joueurs. Ils auront la force. Ah, mais c'est... Parce que nos joueurs, ils sont frêles. Par exemple, regardez les Algériens qui ont joué l'autre fois contre notre équipe. Les Buffles. Mais ils ne plaisaient plus. Ils n'ont pas la force. Les il faut la force. La carte, je vous ai dit, il n'y en avait pas. S'ils allaient en charge. Les Buffles ne tenaient pas. Physiquement, ils ne tenaient pas. Parce que c'est un gamin qui ne mangeait pas aussi, parce qu'ils n'ont pas été payés. Ah. Tout ça là. Monsieur Goulou, ça c'est un autre aspect. Ça c'est un autre aspect. Nous n'allons pas parler de ça. Monsieur Goulou, on revient dans le vif du sujet. Oui, le Bénin joue contre le Niger. Ouais. Est-ce que le Bénin peut faire rêver? Bon, le Bénin peut faire rêver comme on peut faire des rêves aussi, hein, parce que bon, on ne peut pas tout le temps avoir confiance à nos gamins là. On ne sait pas qui est qui. Il y a quand même du potentiel dans cette équipe. Vous avez Kacho Biola, vous avez Chabel Gomez. Vous savez, le football, tu peux te lever un mercredi et puis tu vas bien jouer. Et le jour même du match, un autre jour, tu vas jouer puis les gens vont te huer. Donc, restons seulement en union de prière pour que ce premier match entre le Niger soit remporté. Union de prière pour que les écureuils gagnent. Est-ce que vous êtes d'avis, Hospice Omiya? Oui, union de prière, c'est d'abord si nous sommes patriotes, il le faut. Mais c'est un match difficile, selon moi, pour les écureuils, vu l'équipe. Je n'ai pas eu à suivre les préparations de l'équipe nigérienne. Mais tout ce que c'est une équipe athlétique et c'est une équipe au niveau de catégorie d'âge. Peut-être elle est facilement jouable avec la sélection A, mais au niveau des catégories d'âge, c'est une équipe que difficilement l'on peut battre. Donc je crois que c'est un match très difficile. Il faut s'attendre à un match très difficile le samedi pour nos écureuils. Deuxième match, les écureuils croiseront le fer avec le Togo. Monsieur Gounou, le Togo qui devrait organiser cette compétition, hein, il faut le rappeler. Le Togo a été, quand même, le gouvernement togolais a décidé de ne plus organiser et la chance est revenue donc au Bénin d'organiser cette compétition. Est-ce que le Bénin a sa chance de jouer puisque le Togo n'est plus pays organisateur? Bon, si je reviens encore sur le Niger, si le Bénin a pu gagner le Niger, parce que les menaces d'abord, c'est des gamins qui sont très 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 habiles et très agiles. Très habiles. Donc, si on arrive à gagner le Niger, ce n'est pas le Togo frère qu'on ne va pas gagner. Le Togo frère là, c'est un derby. Ils vont vouloir venger leur grand frère. Venger quel grand frère? On les a. Écoutez, vous, Hospice est en train de faire allusion quand même à l'élimination. Avec ce joli but de Steve Mounier à la dernière minute. On va encore rééditer l'exploit. Ah, C'est ce que nous souhaitons. Il faut, c'est-à-dire c'est un petit pays, certes, mais il faut leur montrer qu'on est tous leurs grands frères en matière de football. Le troisième match, les écureuils joueront contre le Burkina Faso. Est-ce que c'est jouable, Hospice Omiyale? Je vous le dis, c'est l'équipe de les étalons ont eu une très bonne préparation. Comparé à la nôtre, les étalons ont eu une très bonne préparation. Donc je crois que nos écureuils doivent plier, doivent d'abord se qualifier dès le deuxième match et peut-être espérer un nul. Et bon, face aux étalons. Ça veut dire que le Bénin doit tout faire pour battre le Niger le 5 prochain, c'est-à-dire le samedi prochain, et battre le Togo le 8, avant de revenir le 11 maintenant tranquille. Moi, je dis, soyons positifs. Soyons positifs, chers frères. Dis que les étalons ont fait une très bonne préparation. Mon frère, combien de fois toi tu as été au Burkina pour voir comment ils se sont préparés. Mais nous sommes en communication, non. C'est la presse. Et nous sommes, Monsieur Gounou. Ce que la presse dit, c'est un peu différent de ce qui se passe sur le terrain. C'est tout comme si, moi maintenant sur le plateau, je vous manquais à eux, j'ai suivi et on a dit que les écureuils ont joué 14 matchs. Ils ont joué 14 matchs. On a suivi 14 matchs, 10 victoires, 2 nuls. Par exemple, bon, peut-être que comme je ne reste pas au pays, je n'ai jamais suivi un seul match de ces écureuils. Monsieur Gounou, oui, le public n'a pas été quand même invité. Pour ça, vous savez, les résultats sortent.
les résultats sortent. C'est vrai que le public n'a pas été trop sollicité. Mais tenez-vous tranquille, les Écureuils Juniors ont livré 14 matchs. 10 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Si même si c'est contre les équipes locaux, les équipes locales, là, c'est très très important. Hein? C'est-à-dire, et même il y a certains clubs de football au Bénin ici qui dépassent certaines équipes nationales, s'il te plaît. Hein? Maintenant, ceux qui ont été pris ensemble dans les trucs pour former les équipes nationales de chaque pays là, c'est des gens qui jouent dans des clubs. On ne peut pas organiser une compétition internationale dans mon pays, le 229. On va dire que le Bénin va sortir et ne va pas sortir sa tête de l'eau. Je ne crois pas. Mais c'est ce que nous espérons que le Bénin se nous s'en sortira. Monsieur Gourou, vous êtes en train de faire allusion à quoi? À rien. Nous sommes au Bénin quand même. Oui, nous sommes au Bénin. Vous savez. Nous sommes au Bénin. Tu sais, le ballon, hein, il faut toujours jouer le ballon. On joue le ballon, mais il faut mettre un peu la prière dedans. Hein? Tout le monde sait que le pays, c'est un pays de vaudou. Bénin, c'est un pays de vaudou. Et nos enfants seront accompagnés par les prières mystiques, forcément. Ah. On ne peut pas interdire ça. Même au Cameroun, moi j'étais au Cameroun, les gens ils le font. Les gens s'en vont dans les forêts pour se préparer. Et les enfants, je parle de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu. Comme je l'ai dit tantôt, comment? Gris-gris ou sans gris-gris, le football continuera toujours. Mais il y aura toujours les prières spirituelles. Alors, Monsieur Gourou, nous avons dans cette équipe un certain Junior Ichola Olaitan, joueur d'Aïma, qui a été quand même un bourreau quand même pour les attaques, pour les défenses dans le championnat organisé en temps. Nous avons aussi Chabel Gomez. Nous avons aussi un certain Farid Edou qui était de l'autre côté à GSP. Cristiano Ronaldo Junior. Vous voyez, donc ça veut dire que dans cette équipe, il y a du potentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons plus Abdoulaye Zerou, nous n'avons plus Abou Garega Maïga, un certain Razakomote aussi, un certain Florent Raimi et les Romia Boko. Mais nous avons aussi du potentiel dans cette équipe. Vous vendez cher désormais la peau de cette équipe, M. Gounou? Je vends très cher même. Très, très cher. Parce que je suis un patriote et je dois soutenir mon pays. Le Bénin n'est plus le Bénin d'il y a 10 ans. Je continue de le dire d'il y a 15 ans. Avec tous ces noms. Il y a 15 ans quand même, nous avons laminé la Côte d'Ivoire 4 buts à 1. Tenez-vous tranquille. Hein, donc quand je dis ça, ça veut dire que le Bénin a progressé. Hein, c'est un peu penser le contraire. Nous, on est toujours dedans, on est toujours dans le football. Donc, c'est un peu penser le contraire. Les enfants que moi j'ai gardés, que j'ai gardés il y a 5 ans, tous ont évolué. Je rappelle que vous êtes coach, hein, vous êtes entraîneur d'une équipe. Nous allons revenir sur ça. Bon, après, on reviendra sur ça. Mes frères, soyons positifs. Je sais que le Bénin va remporter. Et c'est ce trophée-là. On se peut y aller. Il suffit simplement d'être patriote et puis le Bénin gagne. Non. Et c'est sur ce point que le coach et moi ne nous attendons pas. Aïe. Je suis patriote. Je veux que mon équipe remporte ce trophée. Mais la réalité sur le terrain, elle est différente, mon cher Gabin. Vous avez tout à l'heure cité des noms. Et Chabel Gomez qui est de l'autre côté avec Amiens. Voilà, qui est appelé à renfort. Nous avons vu ce que le gamin a fait contre le Lesotho, si je ne me trompe pas. Oui, c'était Lesotho ici, voilà, son entrée ici. Et puis au retour. C'était, on dirait, un Neymar, oui, un Neymar bis. Donc. C'est vrai, même si au retour, il n'a pas été quand même explosif. Au retour, il a eu un petit bobo. Il n'a pas été explosif au retour, on sait ce que ça a donné aussi. Donc, je crois que nous avons, comme vous l'avez dit, de la potentialité et des atouts. Et c'est une équipe qui peut faire mal, très mal, très mal. Je crois que là, je sais, et le coach serait d'accord avec moi. Alors, Monsieur Gounou, vous étiez tout à l'heure en train de parler. Je disais tout à l'heure que nous avons du potentiel, nous avons des atouts dans cette équipe. On a un certain Chabel Gomez, on a un certain Junior Ichola Olaitan, joueur d'ASPAC, on l'a tous vu. De l'autre côté. Non, Aïma, je vois. Aïma Football Club, merci beaucoup, Aïma Football Club. Est-ce que Junior, quand on voit Junior en attaque, est-ce que Junior ne va pas peser lourd, encore que nous avons Chabel Gomez à côté? Oui, Junior, d'abord, c'est un gamin que moi, personnellement, j'ai aimé, et puis quand j'ai appris, j'ai même vu son statut et je l'ai vu. J'ai dit, aïe, t'as des juniors, bon, en griffe,
on parlera de ça là, oh caméra. Monsieur Gounou, on va pas créer de polémique autour de la sélection. Quand même, Junior Ishaq, c'est un très très bon joueur. Voilà. Donc c'est hein? Tout. Si nos dirigeants peuvent laisser la main à Deguin, on fait son travail librement, je pense que on aura un très bon classement. Tenez-vous tranquille. Je vais revenir sur Junior. Junior, c'est un garçon qui, malgré ses atouts, ne se prend pas la tête. C'est un gars qui est ouvert à la presse. C'est un gars qui, quand tu demandes des interviews, c'est ce gars-là qui est le premier à t'appeler. Tu mets, monsieur, je suis là, je suis disponible. C'est ce gars-là qui est capable de te dire telle chose. C'est ce gars-là qui s'amuse avec tout le monde. Et tenez-vous tranquille. Quand on parle de Junior et au centre d'excellence, Issa Yatou, c'est, on dirait, le Mexi. Puisque ouais, à chaque match, ce sont les gamins qui créent le nom de Junior. Junior, c'est un talent. Junior, c'est un talent, mais tenez-vous tranquille. Avec Ayema Football Club, Junior a quand même son compère de l'autre côté, qu'on appelait Yemi Najim ne sera pas là. Est-ce que Junior pourra donner tout le bien qu'on connaît de lui? Écoutez, c'est Junior qui fait jouer Yemi. Yemi, c'est un attaquant. C'est un attaquant de pointe, c'est un buteur, c'est un gars sans pitié, mais c'est Junior qui le fait jouer. Et on l'a vu, les matchs où Junior n'était pas présent, excusez-moi, Yemi se cherchait à chaque fois quand Junior était absent. Et nous avons vu, chaque fois que Junior était sur le banc et le coach Ronfort le lançait, c'est le match changeait de changement tactique, tout et tout. Et Ayema, même si Ayema était mené, Ayema égalise et mène au score. Au pire des cas, faire un match. Vous étiez tout à l'heure en train de parler, monsieur Gounou, de Mathias Deguinon. Ouais. On se rappelle qu'en 2005, toujours, l'équipe béninoise a été entraînée par Seille Devez, je le disais. Et comment Seille Devez a quand même su révéler un certain Abou Garega Maïga? Aujourd'hui, est-ce que Mathias Deguinon peut aller à son école? Oui, Mathias Deguinon, c'est un béninois, c'est un pur béninois. Seille Devez, il est venu, il a été accompagné par certains qui lui ont proposé le jeune en ce temps-là. Abou Garega Maïga, oui, qui a terminé d'ailleurs deuxième meilleur buteur de cette compétition, oui, avec 4 buts, on se rappelle. Oui, c'est ceux qui l'accompagnaient qui l'ont proposé. Et puis, bon, il a testé et puis il a vu que c'est un bon joueur. C'était ça. Donc, Mathias Deguinon, c'est un béninois, il connaît un peu. C'est la raison pour laquelle j'ai dit de le laisser faire son travail. Surtout voilà, le laisser la main, faire son travail. On va lui laisser la main. Non, on se connaît. Monsieur Gounou, on va laisser la main. C'est une compétition internationale. Ah, oui, les gens vont vouloir que, oui, on n'a qu'à monter mon jeune pour que les gens puissent le voir à la télé, tout ça. C'est, on est un peu bête au Bénin. Donc, vous savez, monsieur Gounou, le Bénin joue contre le Niger tout à l'heure, ce samedi. Et là, vous savez, quelle sera la clé réelle de cette rencontre entre le Bénin et le Niger? La clé, c'est-à-dire, il faut soit. C'est-à-dire comment les Béninois, les écureuils U20 peuvent aborder cette rencontre histoire de partir avec les 3 points. Le coach, c'est au coach de faire son travail. Il n'a qu'à aller avec les joueurs, les bons joueurs en même temps. Et qu'il y ait la vigueur, la vivacité, la force. Si ils sont en train de dire le physique. Dur en même temps, du début jusqu'à la fin. C'est tout. Il faut le physique. Écoutez, quand j'ai une attaque composée de Chabel Gomez, je crois que le physique là, ça ne, c'est pas son point fort. Et Mathias Deguinon tout à l'heure doit faire jouer son équipe offensivement, contrairement à son doyen de la sélection nationale qui a l'habitude de bloquer la défense, de garer un bus devant ses buts afin d'éviter les buts. Je crois que Mathias Deguinon a des fusées avec Chabel Gomez qui va très vite, Junior, dont on a parlé tout à l'heure, un gars qui est au milieu du terrain, ne pardonne Pex, ne connaît même, n'a pas de pitié. Et il sera aussi avec Farid Edou. Voilà un autre, Jean, le Cristiano Junior. Votre chouchou. Voilà, et nous avons, c'est un gars qui fait très mal balle au pied. Je crois que nous avons une équipe offensivement forte. Donc Mathias Deguinon, je demande à Mathias Deguinon de jouer un jeu vers l'avant, de ne pas paniquer. Et peut-être, les gars, de demander aux gamins de patienter. Les buts viendront et je sais que... Forcément, Abiola Kachon sera dans les buts, dans les 7 mètres 32. Selon vous?
passer à James Kouton qui est là aussi, ben Abiola Kation sera certainement dans les buts. Quand on fait toujours un recours en 2005, le Bénin a été quand même la mauvaise défense de cette compétition. 9 buts encaissés. Vous savez, aujourd'hui, est-ce que les Béninois peuvent quand même tenir face au MENA? On va tenir face au MENA. Que ça, le MENA, toujours, que ça, le toujours Burkina, positif. Toujours positif. J'ai été toujours positif dans ma vie. Que ça contre les MENA ou les Togolais ou les quoi, alors on va les battre eux tous et on ira en finale. Mon cher Gabin, oui, on parce qu'avec Cristiano de Koubé là. Farid de Dou? Aïe, mon frère, il a fait danser l'Asvéo ici. Je me rappelle, en tout cas, si c'était encore hier. Ah. Le dernier match du championnat, si l'Asvéo perdait. Même Gérard Cotéon, le promoteur de Wati Bénin, lui-même, il ne pouvait même plus rester sur ses deux pieds. Et on parlait tout à l'heure de, j'ai perdu le fil, on parlait tout à l'heure de Farid Edou, de la défense, je crois que... Parce que le Bénin a été mauvaise défense en 2005, oui, mais avec depuis, 9 buts en défense. Oui, en 2005, mais depuis longtemps, je crois que nous avons une équipe, je ne sais pas si ma théorie elle est valable pour la catégorie d'âge, mais nous avons une sélection qui n'encaisse pas, du moins, nous pouvons perdre, nous faisons des matchs... On fait 1-1 ici et à l'extérieur, on va faire 0-0 et puis on est éliminé. Donc on n'encaisse pas beaucoup. Notre problème, c'est un problème offensif. Nous n'avons pas des attaquants tranchants. Je crois que Mathias De Guéna, avec ses 14 matchs livrés, a pu trouver. Ils ont marqué quand même 20 buts. En 14 matchs. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. 20 buts. Avec un ratio de buts de 0,7. Non, 1,3 buts par match. Donc je crois que c'est quand même. C'est important. C'est important, monsieur. Pour votre mot de fin. Oui, mot de fin. Je salue d'abord, je remercie d'abord le promoteur de la télévision et de la radio Royal. C'est-à-dire le promoteur de Royal, de la chaîne Royal. De la chaîne Royal. Et puis tous les techniciens qui sont avec nous, ceux qui sont derrière les caméras, qui sont en train de nous aider dans ce que nous sommes en train de jouer. Je les salue eux tous. Et que la paix, la joie, la tranquillité du cœur règne au sein de vous. Surtout l'amitié et l'union au sein de vous. Et que vive le sport au 229. Ensuite, se m'y aller. Royalement, je salue toute l'équipe de Royal TV. Et je pense que... Nous serons en union de prière tout à l'heure pour nos écureuils et que, comme le coach l'a dit, soyons positifs et que les trois premiers points soient atteints. Pour que les trois premiers points soient quand même dans la poche, il va falloir que Mathias De Guéna concocte une équipe offensive et plutôt aussi défensive. Donc les Béninois ont l'obligation de victoire. Le Bénin doit battre le Niger pour quand même ramener ces trois premiers points. Mesdames et messieurs, amis internautes de Roi TV Bénin et de Roi News FM, nous sommes à la fin de cette émission purement dédiée au sport sur la tribune des jeunes. Sportivement votre, à très vite.